Salut, c'est Evoir, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais t'expliquer en une minute ce qu'il s'est passé dans les bandes annonces de la semaine. Alors reste bien jusqu'à la fin pour être au courant de tout. On tenait également à rappeler à toutes celles et ceux qui ne le savaient pas encore, vous disposez de deux liens vers les bandes annonces officielles de Demain nous appartient et Ici tout commence juste en dessous de cette vidéo dans la description. Alors n'hésitez pas à les voir juste après cette vidéo. C'est parti! Dans un premier temps, du côté de DNA, une fusillade a lieu à 7 dans le cadre de l'enquête sur le meurtre de Charlotte Lagesse. Aurore va malheureusement être victime de cette attaque et la police préfère la placer sous protection policière le temps que tout ça se calme. Pour Mona, c'est décidé et elle compte bien s'installer quelques mois chez son fils George pour s'occuper du petit Lucien. Avec beaucoup de culot et d'intelligence, Mona fait tout son possible pour prouver à son fils qu'elle est indispensable dans sa vie. Puis Myriam, la mère de Nordine, se décide enfin à avouer son implication dans toutes les affaires qui la concernent. Ces révélations sont un choc pour son fils qui se sent trahi et qui culpabilise d'avoir aussi maltraité Manon, avec qui la réconciliation s'annonce d'ailleurs plus que compliquée. Enfin, pour parler d'ITC, rien ne va plus entre Mehdi et Hortense la semaine prochaine, et leur obsession pour les mariages pourrait bien coûter le leur. Les deux tourtereaux ont du mal à se rabibocher et l'arrivée de l'ex d'Hortense à l'institut ne va pas vraiment arranger les choses. Après un week-end sympa de désintox, David disparaît mystérieusement, laissant Anaïs inquiète et sans nouvelles. Des recherches sont alors menées et c'est en retrouvant David qu'Anaïs et Marc Leroy comprennent que le jeune homme a replongé dans l'alcool suite au départ de Deva. Puis de grosses tensions sont toujours palpables au restaurant chez Léonine, car Matteo, le patron, ne semble pas prêt à reprendre la collaboration. Cette nouvelle met à mal le duo Jude et Lionel, qui voient alors leur évaluation finale du master virée au cauchemar. La vidéo explicative est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à déposer ton like et éventuellement à t'abonner pour suivre les prochaines vidéos. Salut !